Ce mercredi 25 juin, on trinque à la résidence de retraite Notre-Dame de la Paix à Toulon. En effet, ce soir, c'est le vernissage de l'exposition Le fil des saisons, création essentielle des résidents qui ont participé durant un an à des ateliers peinture et dessin sous la houlette de Audrey Aubert, l'animatrice. Ce soir, c'est le résultat d'une année de travail. Nous avons travaillé au travers de différentes techniques. L'aquarelle, le pastel, le collage, la peinture, le dessin, le fusain, plein de choses qu'ont pu découvrir les résidents, redécouvrir, apprendre. À tout âge, on peut apprendre, c'est ça qui est fabuleux. Les résidents sont à l'affût de choses créatives à faire, ce qui n'était pas le cas au départ quand je suis arrivée. Ils étaient très jeux de lettres, Scrabble, tout ce qu'on connaît déjà. Et j'essaye vraiment de les ouvrir vers l'extérieur, vers des choses nouvelles. Donc ça permet d'être valorisé, de maintenir leur capacité motrice, cognitive et sensorielle à un niveau optimal. Je suis venu ici un petit peu, j'étais un petit peu comme tout le monde en cherchant dans quelle maison de retraite je pourrais me fixer. Hein, et j'ai été tout de même influencé par ces ateliers qui sont très divers et où on fait participer tout le monde. Hein, tout le monde, même les gens qui ne peuvent pas faire grand-chose, malheureusement, eh bien, Audrey trouve moyen de trouver chez les gens ce qu'ils sont encore capables de faire. Initiative intéressante, d'autant que ces ateliers de peinture contribuent, comme vous venez de l'entendre, au maintien de l'autonomie grâce à la stimulation des capacités créatives. Et c'est aussi l'occasion de faire la fête.